hunger for death? That was but a taste. Your spirit is broken. Taste the fury of the ages. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait un petit débrief de Diablo Immortal concernant la BlizzCon 2019. Alors je sais que Diablo Immortal a beaucoup divisé, j'avais fait une vidéo pour parler de Diablo Immortal bien sûr. Je vous laisse aller la voir. Mais en tout cas Diablo Immortal, pour rappeler un petit peu ce qu'il en est avec, cette histoire. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade en venant de la BlizzCon. Du coup, Diablo Immortal, on en avait parlé, ça se passe 5 ans après Diablo 2, The Lord of Destruction. Donc la destruction de la pierre monde a des impacts et tout l'intérêt de Diablo Immortal va être de lier justement Diablo 2 à Diablo 3. Peut-être que ça aurait dû être d'ailleurs le travail de Diablo 3 initial. Mais bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que on va retrouver tout simplement donc des fragments de la pierre monde qui sont un peu partout disséminés dans le monde et qui vont avoir des effets néfastes évidemment puisque c'est quand même quelque chose de très puissant, c'est ce qui a à la base la pierre monde a créé le monde de sanctuaire, donc c'est pas rien. Et au final eh bien ça va créer des menaces et des différentes rencontres un peu partout. Sachant que l'intérêt aussi de Diablo 2, enfin Diablo Immortal pardon, par rapport à Diablo 2 et Diablo 3, c'est de donner d'un petit peu de, comme je l'ai dit, de lier les deux. Et du coup de soulever des petites intrigues et de redécouvrir des personnages que l'on connaît ou que de les recroiser dans le monde de Diablo. Et par exemple, j'ai eu l'occasion sur cette BlizzCon 2019 de jouer à Diablo Immortal, parce que j'avais pas pu aller à la BlizzCon 2018, donc j'ai été invité par Blizzard sur celle de 2019. J'ai pu mettre la main sur Diablo Immortal et on a justement une démo de 15 minutes où eh bien, on va accompagner, on va tout simplement faire des quêtes et on va croiser Xul qui est tout simplement le nécromancien de Diablo 2 qui est également présent dans Heroes of the Storm et qui est le maître de Medan, un des nécromanciens que l'on croise dans Diablo 3. Sachant donc qu'il est celui qui a vaincu les seigneurs démons, Xul va avoir tout simplement va être là pas par hasard puisque il va falloir qu'on l'accompagne et qu'on l'aide et ça c'est super bien foutu. Genre il y a vraiment Xul qui nous aide, il est à côté de nous, il lance des sorts etc comme un nécromancien normal et ça c'est super intéressant parce que on n'a pas l'impression juste que, comme contrairement à Diablo 3 je trouve que les PNJ servent à rien, là il nous aide vraiment, c'est un acolyte et il nous aide tout simplement à lutter contre son apprenti. Alors j'ai oublié son nom d'ailleurs, ma petite my bad là-dessus, j'ai oublié de noter son nom. Mais en tout cas, eh bien, son apprenti a récupéré un fragment justement de la pierre monde et ça lui a fait un peu péter un plomb. Et elle veut réformer l'ordre des nécromanciens en changeant justement ce principe d'équilibre. Donc eh bien Xul est obligé de l'affronter en duel et on va l'aider justement à battre son ancien apprenti. Ça va d'ailleurs se trouver pas loin de la tombe, pas loin du caveau de la tombe de la reine Azila. Azila c'est tout simplement la femme de Léoric, la mère d'Aidan et d'Albrecht, je sais jamais comment vraiment le prononcer, Albrecht. Mais du coup, ce que j'aime beaucoup avec Diablo Immortal, c'est que, alors déjà en termes de gameplay, moi vous savez je suis pas fan du hack and slash. Diablo Immortal c'est un Diablo 3 amélioré, hein, concrètement c'est dans Diablo 3. Alors je suis assez bluffé par contre de la qualité graphique de Diablo Immortal. J'ai vraiment l'impression de jouer à Diablo 3 et j'ai même l'impression qu'il est plus beau que Diablo 3. C'est un truc de fou. Et j'ai l'impression vraiment que c'est un Diablo 3++. C'est-à-dire qu'il est plus beau, plus travaillé. Eh oui, je sais. Non, par exemple la scénarisation a l'air d'être bien mieux sur Diablo Immortal que sur Diablo 3. Là on voit justement Xul avec sa quête, il nous parle, il nous dit bah on a besoin de toi, enfin aidez-moi à triompher de mon apprenti puisque grâce au pouvoir de la pierre monde, eh ben, elle va être difficile à tomber. Et on l'aide, il nous accompagne, il lance des sorts etc. Donc
à voir sur le jeu dans son ensemble, mais en tout cas dans la démo que j'ai pu tester, eh bien le jeu m'a l'air vraiment pas mal du tout. Alors encore une fois, je suis pas un pro du hack and slash, mais je le trouve plutôt sympathique. Et ce qui me faisait peur aussi, c'était la jouabilité mobile. Et honnêtement, eh bien c'est assez, la prise en main est assez assez facile. Ça me rappelle certains STR qu'on jouait sur console qui peuvent être un peu difficiles au niveau de l'interface et autres. Et voilà, ils l'ont plutôt bien amené et c'est très très intuitif, je dirais. Alors, j'ai pas pu tout tester, faudra voir, parce que comme je suis pas un gros tryharder de hack and slash, faudra voir si les options de endgame sont tout aussi intéressantes. Mais honnêtement, moi j'ai vraiment trouvé la prise en main assez facile. Le jeu, bien sûr, il y a des trucs un petit peu assistés, comme par exemple, enfin un petit peu aidés, comme par exemple l'autolock. Quand vous avez commencé à tirer sur un mec, ça va autolock, et du coup, ça c'est vrai que c'est un peu facile par rapport à un Diablo 3 normal. Mais d'un autre côté, le jeu a l'air vraiment bien foutu, c'est vraiment un Diablo 3 amélioré. Donc, et je suis encore bluffé de comment ça tourne sur un mobile. Alors je conseille, puisque j'ai testé sur mobile et sur tablette, c'est vraiment classe, tu profites vraiment du gameplay et des graphismes. Sur mobile, c'est vraiment, ça dépend bien sûr de votre téléphone, mais sur un petit mobile, c'est vrai que il y a un petit sentiment de gâchis, quoi. Vu les capacités graphiques et les graphismes incroyables du jeu, c'est vrai que c'est un petit peu dommage de se contenter d'un petit mobile. Après, je pense qu'il consommera énormément de batterie, hein, ce jeu, parce que vu les ressources, enfin vu les graphismes et autres, à mon avis il consommera beaucoup. Mais ouais, franchement, alors moi je suis pas fan non plus de jeux mobiles, donc je jouerai pas des masses, mais c'est sûr je ferai l'histoire, et honnêtement ça a l'air plutôt sympa. Je suis pas autant, bien sûr je suis largement moins hypé que Diablo 4 où j'ai vraiment envie de mettre la main dessus, mais Diablo Immortal, déjà je la ferai pour l'histoire. Et en plus, bah, ça a pas l'air, j'irai peut-être pas en tout cas, enfin j'irai même pas, à reculons. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal du tout, et j'ai parlé avec pas mal de monde, beaucoup de monde a pu tester justement Diablo Immortal sur cette BlizzCon 2019, et honnêtement, tous ceux qui ont pu y jouer, ils se sont dit, franchement, le jeu est pas dégueu, hein, il est vraiment pas mal du tout même. Hein. Alors bien sûr, Diablo 4 fait beaucoup d'ombre à Diablo Immortal, mais Diablo Immortal devrait sortir bien avant Diablo 4, et pourrait nous permettre peut-être, eh bien, d'approfondir nos connaissances de l'univers de Diablo, et aussi pour pouvoir passer profiter un petit peu en attendant la sortie de Diablo 4. Mais donc j'ai également pu parler avec un développeur de Diablo, et notamment une des scénaristes de Diablo Immortal, qui était sur le stand. Et en dehors de Xul et par exemple de mentions faites aux anciens Diablo et au Diablo 3, sachant qu'il y aura potentiellement des intrigues aussi avec Magda et Adria, ça c'était déjà dit à la BlizzCon 2018, et bien sûr bah, j'en ai parlé d'Azila avec son tombeau, il y en a une confirmation, on aura Zoltunkul en adversaire, donc Zoltunkul et son tombeau, donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai posé la question à la scénariste de savoir si justement comme Xul on allait rencontrer d'autres aventuriers de Diablo 2. Elle m'a dit justement, alors elle a commencé au départ à noyer le poisson en mode oui, il y a des personnages connus bien sûr comme Zoltunkul ou Vala que l'on rencontrera, sachant que Vala donc ça sera la chasseuse des mondes de Diablo 3 mais qui est encore une enfant, et elle m'a, alors bien sûr évidemment c'était logique, elle pouvait pas leak ce genre de choses, mais elle m'a assuré, alors on verra pas tous les aventuriers de Diablo 2, on ne verra pas tous les personnages que l'on connaît, mais certains on les reverra dans Diablo Immortal. Et moi ça me hype. Alors par contre, la petite déception, c'est que j'avais par exemple émis la théorie que Shannar était la magicienne de Diablo Immortal, et bien pas de réponse là-dessus. Enfin si, une réponse justement, elle est pas forcément positive du côté. Alors ça dépend, ça va dépendre de vous, mais les personnages de Diablo Immortal ne sont pas nommés. Donc il n'y a pas de, par exemple, ce n'est pas Shannar la sorcière de Diablo Immortal. Ce qui à la fois m'énerve, parce que d'un autre côté ça fait qu'on a trois sorcières qui ont la même tête, le même chara-design, donc des magiciennes asiatiques assez jeunes. Alors Shannar, on sait que c'est une magicienne assez vieille, mais qui par la magie se rajeunit. Liming, c'est une vraie magicienne jeune qui est de Diablo 3. Et du coup, bah, il y aura la magicienne de Diablo Immortal, ce que je trouve un peu dommage. Alors, les magiciennes. Alors, ce qui est dit, c'est que les aventuriers de Diablo Immortal, il y a une personnalisation qui est vraiment poussée. Ce sera pas, on n'aura pas les personnages de la cinématique. Vous pouvez bien sûr faire ceux de la cinématique. Mais la personnalisation sera pas aussi grande que celle de Diablo 4. Mais il y aura vraiment une personnalisation. On pourra mettre plusieurs têtes et autres. Donc, en tout cas, ça, c'est ce qu'on m'a évoqué. J'ai pas. La création, on ne peut pas la voir dans la démo, donc à voir, mais c'est vrai qu'apparemment on pourra changer les têtes et autres. Puisque je rappelle que Diablo Immortal est en partie multijoueur, donc on croisera d'autres. Par exemple, d'ailleurs, dans la démo de Diablo Immortal, on croisait d'autres aventuriers de Diablo Immortal. Donc ça, c'était assez sympa. Donc si ça peut permettre qu'on ait pas le même archétype tout le temps, ça c'est cool.
c'est au moins, on va dire que ça met un peu de pommade sur le fait que les personnages ne soient pas nommés. Ça sera le même cas dans Diablo 4, les personnages ne seront pas nommés et on aura énormément de personnalisation pour les personnages. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on aura pas mal de... On reverra des personnages connus de Diablo 2 et d'ailleurs. Donc moi, ça, je suis assez content. Je pense vraiment que Diablo prend un bon chemin au niveau de la scénarisation. Évidemment, Diablo 3 Immortal ne sera pas aussi immersif que Diablo 4. Mais honnêtement, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte pour Diablo Immortal. Mais n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que si vous avez des questions et autres au niveau du gameplay, c'est vrai que là, dit comme ça, si vous avez des questions de point de vue technique, j'ai pu tester un petit peu. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les formuler. Un peu déçu que ce soit pas Shannar et d'autres personnages nommés. Ça aurait pu être sympa que ce soit le maître de Johanna. Ce n'est pas le cas non plus. Donc. Déçu là-dessus, mais honnêtement, c'était une agréable surprise Diablo Immortal, vraiment une agréable surprise. J'avais justement dit que ça pouvait être assez sympa à voir. Eh bien, ma foi, c'est plutôt cool. Je suis vraiment agréablement surpris. Revoir Xul, l'entendre parler, c'est le doubleur d'ailleurs d'Heroes of the Storm, donc je suis assez content qu'ils aient repris le même. Le fait que, qu'on puisse voir les aventuriers de Diablo 2, moi ça m'a vraiment plu, donc je suis assez content. Voilà, donc un petit jeu sympathique. Pas forcément du calibre de Diablo 4, mais en tout cas, l'équipe de développement est relativement réduite pour Diablo Immortal, donc c'est aussi compréhensible. C'est pas forcément le gros jeu Blizzard, c'est un petit jeu. Malheureusement, à la BlizzCon 2008, ils l'ont vendu comme un énorme jeu et ça a fait un four. Ça a été une grosse erreur de marketing, mais je pense pas qu'il faille condamner les développeurs et les joueurs, enfin, et le jeu, parce que franchement, sur le papier, il a l'air vraiment sympa. Le modèle économique n'est pas encore tout à fait. N'est pas encore défini, je sais qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur du pay to win et autres. Vu le tollé qu'a pris le jeu, il y aura probablement des packs avec des nouvelles classes et autres et des extensions, mais je pense pas. On sait aussi qu'il y aura du cosmétique qui sera vendu, bien sûr, mais je pense pas qu'il y aura vraiment de pay to win là-dessus sur Diablo Immortal. Les petites questions que j'ai pu poser aux développeurs, ils me disaient que non. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, mais. On verra, mais le modèle économique n'est pas encore bien défini. Donc on verra ce que ça va donner, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos retours et vos questions. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus, et n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, partager autour de vous, vous abonner, et aller consulter toute la playlist de l'histoire de Diablo, mais pas que Diablo, il y a d'autres jeux bien entendu, et toutes mes impressions de la BlizzCon 2019. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus, et pour une fois c'est une vidéo courte. Allez, ciao !